Je me suis arrêté devant ce tableau de Félix Vallotton, qui a un nom particulier parce qu'il s'appelle "Intérieure femme fouillant dans son armoire". C'est un tableau qui nous interpelle tout de suite. Il ne fait pas partie des tableaux qu'on vient sûrement visiter, mais je pense qu'une fois qu'on les visite, à partir de là, s'ouvre une fenêtre sur toute une série d'autres tableaux qui peut-être se rejoignent ou posent des questions sur leur regard. Il y a trois regards dans son, dans son tableau. Il y a le regard du peintre, il y a souvent le regard du modèle et il y a notre regard. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les modèles nous regardent? En fait, les modèles nous situent. À la place du peintre, c'est-à-dire que d'une certaine manière, nous devenons son double, et nous l'incarnons, et on essaye de revivre les émotions que le peintre a ressenties devant son sujet, son modèle. Par contre, quand il se détourne, que nous n'avons plus le regard du modèle, où nous nous situons, puisque ce n'est plus à la place du peintre, et là, c'est un peu à notre place. Nous devons chercher. Dans cette armoire qui est la nôtre, à l'intérieur, essayez de fouiller, voir ce qu'on trouve, pour pouvoir répondre à ce tableau. D'une façon très habile Félix Vallotton a détourné le regard de son modèle pour en fait nous faire réfléchir sur la peinture, la peinture elle-même. Il n'y a pas de sujet. Débrouillez-vous et ayez le plaisir de la contemplation. Il n'est plus dans une situation narrative, même si le tableau est plein de narrations, mais c'est une narration qui nous renvoie à nous. Et je pense que c'est tout le processus qui va faire plus tard le regard du peintre, c'est-à-dire qu'au contraire d'illustrer son personnage, il va essayer de les dévorer, les dévorer de son propre regard, les faire même disparaître, parce que les traits, la puissance de la matière, vont remplacer les sujets pour que la peinture devienne abstraite et la peinture devienne un sujet d'intériorité de nous et plus l'effet d'une contemplation. Beaucoup de peintres n'utilisaient les dos. Ils approchaient une esthétique abstraite, mais en fait, ils le faisaient toujours avec une anecdote parce que les modèles des dos étaient déjà établis comme une forme, comme une façon de peindre. Ici, nous nous trouvons dans une situation beaucoup plus trouble, puisque c'est un tableau qui illustre une réalité, mais en fait, ça devient par lui-même, par le fait d'avoir dérobé le regard du personnage, un tableau abstrait. Et c'est ça que ce tableau va ouvrir comme possibilité de regard à l'ensemble de autres tableaux. Parce que dans cette musée, s'il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est comment les peintres vont bouger d'une espèce de regard de contemplation, un regard intérieur, où on va voir peu à peu, à travers d'autres grands maîtres, comment la pulsion devient et dépasse les sujets. On peut se dire aussi, finalement, chercher une histoire. Et se dire, mais où ça se place le regard de la personne qui a eu le peu de gentillesse de se retourner Parce qu'on imagine aussi que c'est un modèle très passif. Ou alors quelqu'un d'un grand leader, ou bien une personne aveugle qui n'a pas eu envie de, de nous regarder. Est-ce que le peintre n'a pas trouvé ce personnage très intéressant de face pour nous l'exposer Moi, dans mes fantaisies, je pense qu'elle nous regarde toujours. Mais derrière ses cheveux. Et ça, c'est une possibilité qui existe, pourquoi pas, d'avoir un double visage, puisqu'il nous a donné la liberté d'interpréter. Un visage qui est occulté et un visage qui est exposé. Maintenant, on va vous dévoiler le mystère de la femme de dos. Allons-y. Pas tous les visiteurs du musée auront la chance de savoir que. Une femme qui se nettoie les ongles, et, et bien, cette dame est celle qui se trouve dedans. Maintenant, vous savez en tout cas le dénouement de l'histoire d'un point de vue presque d'un suspense policier.